aujourd'hui, les gars. J'espère que vous allez m'entendre. Parce que je vais pas parler plus que ça. On va partir en blabla de mes versions ASMR. C'est juste pour que vous puissiez profiter des bruits de la forêt, des bruits de la nature, tout simplement. Voilà. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Salut toi. En commentaire, tu vas me mettre cet emoji. J'espère vraiment que vous allez m'entendre parce que je vais vraiment pas parler plus que ça. J'espère que ça va vous détendre un petit peu et qu'on va pouvoir profiter. Il fait beau comme vous voyez, le ciel est bleu. Il y a très peu de nuages, un petit peu, mais ça va. Il fait excessivement chaud, donc je vais prendre mon chemin de d'habitude, de ma petite forêt enchantée. Mais je pense que j'irai pas super méga loin parce qu'il fait très très chaud, vraiment très chaud. Et il est que 9h30 je crois. Donc c'est pour vous dire, ça promet la journée. Allez, c'est parti. Ça c'est vraiment la pire. Allez, courage. Après on est tranquille. C'est vraiment super beau. J'adore. Allez, let's go. Définitivement, j'irai pas très loin. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous réussissez à m'entendre quand même. Tu sais que c'est plus fatigant de parler comme ça que de crier comme je le fais. Oui. Je pense que ça se voit à ma tronche, non? Je suis en dégoulinance. Je dégouline. J'ai mis la crème solaire. Parce que... faut faire attention à sa peau. Oh, j'en suis de la moustache. Allez. Je disais donc... on a presque fini les côtes. Il me reste une toute petite là. Et après c'est fini. Parce que j'en peux plus. Je vais pas aller très loin. Parce que vraiment il fait très 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 chaud. Et ces chemins là, ils sont pas sécures de ouf. Je les adore, c'est mon chemin préféré. Mais c'est pas sécure. Donc on va profiter. J'espère dans le bon moment, ensemble à écouter les bruits de la nature, etc. Mais pas. Thank you.
Je vais vous poser là, on va boire un coup quand même. J'ai quand même réussi à trouver de l'air pour Poupiette. On va boire un coup, on va prendre 5 minutes. Et on va rebrousser chemin. Mais j'avoue que c'est très agréable hein, de se retrouver dehors et tout. Là pour le moment il fait frais, on est bien. Mais il fait aussi quand même très très chaud. Donc voilà. Et physiquement c'est comme quand je suis dans la neige. Que je dois marcher dans la neige. C'est tout aussi dur. Chaleur. J'aurais pris mon petit quota de vitamines pour aujourd'hui, c'est cool. Faut toujours voir le côté positif à tout ça. Et puis surtout, il y a plein de papillons. Donc rien que pour le plaisir des yeux, ça fait plaisir. Par contre, je me fais agresser par une mouche là. Attention, coup de clochette dans ta gueule. Je vais la chercher. Bref. Oh, il y a un petit air là. Oh, là, je suis bien. Je veux rester là. Là, ça va. Avec la sueur, ça fait un petit coup de frais. Glamour toujours. Bon, je vais reposer. Bien besoin de ça. Non, je dis ça et puis quand je les ai pas, je m'inquiète. Donc vaut mieux les avoir, je crois. Papillons qui volent, c'est trop bien. Il y a des années, il n'y a pas si longtemps que ça, je dirais il y a 2-3 ans, il n'y avait plus de papillons, genre on n'en voyait plus. C'était triste à crever. Et là, c'est le retour des papillons depuis quelques années, et comme ça fait plaisir, surtout moi qui aime tant les papillons et qui aime tant la nature aussi. Ça fait plaisir. Et ce bateau, thank you.
laissent faire leur petit travail. Hein. Je leur pique déjà leurs fleurs, donc il y en avait une grosse dedans là. Vas-y, régale-toi, fais ton travail. Il est temps pour moi. Je vais peut-être ramasser encore un peu d'air, mais il est temps pour moi de rebrousser chemin. Je vais continuer à vous faire des prises. Ah oui, je vous ai dit que je vous montrerai les papillons. Attendez, c'est ce champ juste là derrière. Je vais essayer de vous faire voir. Tout à l'heure, ça n'arrêtait pas de voler. Quand je me suis mis debout, juste là, là. On va vous en voyer quelques-uns, mais c'est pas la folie. Mais il y en a plein. C'est tellement agréable de les voir voler. Regarde, c'est trop beau. J'adore. Bref, allez, retour en arrière. Ça fait du bien. J'aurais bien sué, j'aurais bien marché un petit peu. Mais là, je commence à avoir mal aux reins et mal au ventre. Et je suis fatiguée. J'ai la tête un peu qui tourne. Avec la chaleur et puis les ragnagnoutes, bon, c'est important quand même de sortir, de s'aérer et tout. Mais il faut quand même que je fasse attention. Voilà. Allez, on continue. Vous avez vu tous les papillons qui passent. Regarde, c'est trop beau. Je me régale. C'est incroyable. Est-ce que vous le voyez, le papillon, là, sur la feuille? Là, les petites mimes avec leur bébé, trop mignon. Non, mais les petits avec leurs petites oreilles là, ils sont trop chauds. Il y a toi aussi, j'ai des vues aussi. Ça va? Oui, c'est chiant les mouches. Tu te fais bouffer par les mouches. Il y a des petits papillons et il y a les petites mimes. Bon, on va se poser 5 minutes histoire de boire un coup avec les papillons. Il y a quelques personnes que j'ai croisées, deux personnes, ça va, c'est tranquille, c'est trop beau, j'aime trop cet endroit. On va essayer de se poser un peu vers l'ombre. Je regarde toujours dans les petits groupements comme ça de trèfle, s'il n'y en a pas un à quatre feuilles. Visiblement, non. Je pense que ce fut le blabla le plus petit, mais je pense que c'était sympa quand même, ça a pu nous. Relaxer un peu. Ça fait du bien quand même, la nature. Moi je me recharge là de ouf. Mais vraiment, à chaque fois, c'est ce qui me permet concrètement de me maintenir dans un good mood, tu vois. Avant de partir, j'ai reçu un colis qui était éclaté. Il était ouvert clairement. J'étais un peu en colère, tu vois. J'étais un peu en colère, je me suis dit, mais c'est pas possible. J'étais colérée quand j'ai vu que le colis était complet, en entier. Et puis j'ai positivé, je me suis dit, je vais aller en nature, ça ira mieux. Donc voilà. Allez, on boit un coup. Et à la bonne vôtre. Tiens d'ailleurs, j'en ai commandé une nouvelle. C'est un peu dans le même délire. D'ailleurs, je suis total look bisounours aujourd'hui. Mon t-shirt. Il y a les bisounours.
sort, etc. Donc c'est pas des achats inutiles, même si techniquement il n'y a pas besoin d'en avoir autant. Sauf que là, il y a une collection qui est sortie sur un certain site de l'enfer. La collection Looney Tunes. Et il y a une gourde de mon fils. Donc j'ai pris la gourde de mon fils. Allez, comme d'habitude, petit moment de calme et de méditation. Je vous laisse profiter. Pour bien respirer. Ça fait du bien. Puis là, je sais que je suis bien parce que je suis entourée d'animaux, des insectes et de la nature. Donc je ne crains rien du tout. Je suis bien. Avec le petit dada juste là, les petites mimes juste en face. C'est bien. Je vais vous laisser regarder les vaches aussi. En profitiez, non? J'espère que vous avez apprécié ce moment animalier. J'adore, moi j'aime bien n'importe quel animaux, même mes petits oiseaux ou les oiseaux en général, enfin peu importe la bestiole que c'est. J'adore les voir vivre en fait, les voir, je sais pas, manger. Regarder leurs activités en fait, j'aime bien les observer, j'adore. C'est une de mes passions quoi, observer les animaux, voir comment ils vivent tout simplement. C'est trop mignon,
petit Mimi. Petit Mimi. Petit Mimi. Tu es trop mignon. Ils sont trop kiki. C'est kiki. Ça donne bien envie d'y faire un bisou sur son nez quand même. Même si c'est un peu baveux le nez d'une vache. J'aime trop les petits bébés vaches. Les petits volants. Je vous l'ai déjà dit. C'est horrible. Oh là là, c'est terrible ça. Bah oui. Regardez ça comme c'est beau. C'est très très beau. Qu'est-ce que j'aime. Regarde. Les petites fleurs. Le petit papillon. Bon et bien les gars, ça y est. Retour sur un début de route, tu vois. Bon, qui dit début de route, dit début de civilisation. C'est comme les animaux. On aime bien les observer. Regardez comment... Il y a tellement à dire en plus. Mais bref. Regarde, c'est du... Les montagnes. C'est trop beau. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié le format qui changeait un peu comme je vous ai dit. J'espère que ça vous a plu de voir un petit peu les animaux. Tout ça. Profite un peu de la tranquillité. Aucun son n'a été rajouté. J'espère que vous avez aimé. Moi, je vais repartir avec mon joli bouquet. Mon petit sac d'herbe. J'en ai pas ramassé énormément, mais un petit sac, ça suffit largement. De toute façon, je serai obligée de partir beaucoup plus souvent parce que ça sèche trop vite. Bon, ce qui est bien, c'est que avec Billy Poupiette, c'est pas perdu. Ce qui devient sec, je le ramasse pour faire du